Les gars, la vie de ma mère, on est dans la forêt au Canada, la vie de ma mère, les gars. Sur la tête à ma mère, on a vu un ours. Beer in area. Dans cette vidéo, je vais risquer ma vie dans les forêts lointaines, sauvages et très dangereuses du Canada. Dans la Colombie-Britannique, où on peut trouver des ours. Des ours qui sont une espèce animale très, très dangereuse. Ma vie a été menacée pendant cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Regardez-moi cette plaque de bonhomme. Tu vois, c'est une plaque, ça tu dis. C'est, je suis un humain, tu vois. L'humain, il est supérieur aux animaux, tu vois. Tu montres bien ta supériorité, c'est ça que j'aime. Moi, je suis un putain de patriotique. J'aime montrer... T'as montré la plaque de quelqu'un en vidéo, là? Non, juste, je veux savoir. Oui. Okay. J'ai pas le droit de faire ça. Eh, vous savez quoi? Vous allez faire quoi, de toute façon? Tu vas faire quoi? De toute façon, t'es canadien, tu vas pas me retrouver. De toute façon, c'est un problème, viens. Regardez. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire ce qui est marqué? Please be aware that bears, coyotes and raccoons frequent our trail. Donc ça, je vous explique. Moi qui suis francophone, anglophone, ça veut dire bande de fils de chien. Attention, il y a des ours, des coyotes et des ratons laveurs qui peuvent vous bouffer là-dedans. Et nous, où est-ce qu'on va? Là-dedans. C'est parti. Par contre, la tête d'homme, j'ai un peu peur là. Get. Là, j'ai un peu peur. Hein. Dites-vous, à tout moment, il y a un ours qui sort et nous graille. C'est pour ça qu'il faut parler, mais en fait, faut pas être agressif, je pense pas. Oh! C'est marqué? No beach access. Tu rentres pas. Ah, des ours. J'ai toujours voulu en voir un, vous savez. Je pense que là, on est dans la ville. Si on va pas dans la forêt maintenant, on n'ira jamais dans la forêt. Moi, ça fait trop peur, frère. Mais en fait, la couille, c'est s'il y a un ours qui sort derrière nous. Ouais. Tu te rappelles des précautions, toi, ou pas? Bah, ils avaient dit sortez un flingue, mais on n'a pas de flingue. Mais est-ce qu'un ours, ça fait vraiment mal quand ça mord? Ça te mord pas, ça te met un coup de patte. Oh bah ça va, si c'est que ça, si ça met que des coups de patte. Moi aussi, je mets des coups de patte. Gros, il y a eu un bruit. Bon, allez, vas-y, mon gars, moi, je me casse, hein. Écoutez-moi, ce chien. Il y a des ours, il y a des coyotes. Et des raccoons. Il y a des dinosaures ici. Et il veut qu'on aille où? Chez eux. Ouais, ça fait vraiment peur par contre. Guetté, je suis où? Wesh. Eh, je suis trop en stress qu'il y a un ours qui sort. Là, je suis tout seul. Mon pote, il m'a mis un plan. Il est parti chercher son chargeur. Regardez, je suis où les frères? Wesh. Je suis au fin fond du nombril du Nevada, de la Casa de la Papel, gros chou, frère. Je suis dans un endroit, ça s'appelle Colombie-Britannique, les gars. Wesh, ici, il y a des grizzlies, il y a des ours noirs, des ours blancs, des ours violets. Wesh, il y a même des ours toutes les couleurs, gros. Il y a des ours gays, frère. Wesh, on est où? Du coup, là, je suis vraiment en stress. En mode, là, il y a un ours qui habite là-dedans. Oh, oh. Wesh, guettez la forêt là. Gros, cette forêt, elle est sauvage là. Elle est dangereuse, frère. Je sais pas si vous voyez la route là-bas là. Là, il y a un ours au centimètre carré, c'est bon. Là, il y a un ours au centimètre carré. Là-dedans, mon gars, tu vas là, tu ressors pas. Sacré pays quand même, hein, le Canada. Hein. Sacré pays de dangerosité. Hein. Moi, je te le dis, mon gars. Hein. Je suis pas fait pour être ici, moi. Moi, je suis pas fait. Moi, j'aime bien la tranquillité, la sagesse et être tranquille. Frérot, là, tu fais un pas, t'es menacé, quoi. T'es menacé toutes les secondes. Du coup, on peut dire en quelque sorte que je suis un warrior. Je suis un survivant. Je suis un survivant, mon gars. Regardez-moi cette forêt de malade. Dites-vous, là-bas, là. Là-bas, c'est la ville. En mode, c'est la ville, là-bas, il y a les humains. Ici, gros, il y a personne. En mode, là, c'est pas visité. Genre, il y a personne là-dedans, tu peux pas y aller. Si, en France, tu peux y aller en empruntant des routes et tout. Mais gros, tu vas là-dedans, mon gars, tu ressors, hop, c'est bon. Frérot, c'est comme si tu vas là-bas. Toi, t'es Uber Eats, mais en fait, t'es pas le livreur. T'es la graille qu'il y a dans le Uber Eats. Tu vas là-bas, tu livres les ours et te graille. Bonjour, je suis notre envoyé de Nadjeweed. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays.
paysage assez miraculeusement miraculeux. Là, on s'approche un peu du territoire des crocodiles. Mon pote ici, il y a un crocodile. Il y a un crocodile. Regardez, wesh. Il y a des traces de griffes, là. Là, il y a des traces de pas. Le vent souffle à l'est. Tu vois, si tu te rapproches un peu trop ici, mon gars, il y a un crocodile qui vient te choper. Ça a chez Bolidana, voilà. Frérot, c'est même plus, c'est dangereux ici. C'est dangereux. It's dangerous. Allez, venez avec moi. Comme. Vous me suivez. T'es ma frère, le territoire des crocodiles ici, là. Allez. Suis-moi. Fais pas le timide. N'aie pas peur. Suis-moi, frère. La tête, ouais, mais il y a un ours qui sort en direct. Je filme. Je filme et je reste. De toute façon, je m'en fous. J'ai ma bonbonne. Gros, j'ai une bonbonne. Les ours, t'inquiète pas, je vais vous montrer c'est qui le bonhomme. The ours, the... Ah merde, y a pas de chemin. Wesh, on va où là? The ours, papa ours. Wesh. Wesh, j'ai atterri où là? Frérot, y a l'océan là-bas. Oh, y a des sacrés bruits quand même. Hein. Allez, salut. Allez, dehors. Viens avec moi. Okay. Ah. Ça là, c'est tout frais. Monte-leur. Monte-moi. C'est le Bigfoot. Nous sommes chez le Bigfoot. Le Bigfoot est ici, mes frères. Je vous montrerai plus tard quand je trouverai d'autres preuves. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on marche dans un territoire assez hostile. Vous pouvez le voir, y a rien frère, y a que de la forêt là, et derrière aussi. J'espère ne pas tomber sur un spécimen assez dangereux et qui est l'ours, voilà. Après le Bigfoot, ça me ferait encore un peu plus chier. Mais bon, on marche, voilà. Si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que je suis mort. Allez, salut. Venez. Baissez-vous. Aïe, ça là mon gars. Après mes fines analyses, ça. Ah, ça pue! C'est un caca de... d'espèce animale. C'est pas un humain. C'est soit un Bigfoot, soit un ours. On se retrouvera plus tard pour une continuité. Je continue mes recherches. Ouais, mon aventure, elle se continue, les frères. Faut que j'aille par là. Voilà. Faut que j'aille par là. Mais ouais, mais comme vous avez pu le voir, il y a un panneau par là. Attention, Bigfoot. Tu vois? Il est là, le panneau. Beer in area. Wesh, get, ils ont rajouté quoi ici? Caution, femelle beer with cubs very protective. Attention, il y a une femelle ours avec ses petits oursons qui sont... et qu'elle est très protective. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Noé? Noé, t'es où? Il est peut-être là-dedans. Pas là. Noé? Pas là. Quoi? Tu voulais pas chasser les ours et les Bigfoot? Non. Non. Wesh, regardez-moi cette forêt là. Mais c'est plus la forêt là. Wesh, on est dans The Forest, les frères. C'est quoi cette forêt de chiens de la casse? C'est le territoire des animaux dangereux. C'est dangereux. Merde, pardon. Pardon, s'il y avait les animaux là, moi... Je m'excuse. S'il vous plaît, pas d'ours, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je demande que ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Wesh, c'est marqué quoi là? On découvre ensemble, les gars. Tu crois que j'ai quelque chose à foutre, moi, des arbres? J'ai rien de foutre. Wesh. Comment ça fait bader, les gars? C'est pas les mêmes forêts qu'en France. Si vous le voyez. Je sais pas si vous pouvez le voir. Tout est espacé, il y a que de la mousse par terre. Et mon gars, tu sens qu'il y a des choses pas normales ici. Il y a soit des ours, soit des Bigfoot, soit des trucs comme ça. Et ça fait vraiment un peu peur, en vrai. Regardez par là, qu'est-ce que... L'arbre, il a quel âge? 85 ans. Waouh. Ouais, je commence à faire bader, gros. Ça fait peur.
Je suis sur les traces du Bigfoot. Je viens en paix. Je viens en paix. Je vis. Passer. Je paxa romana. La paix. Moi, je commence à faire bader. Je vais pas parler trop fort. On sait jamais s'il y a des ours. D'accord. Alors là, je crois avoir trouvé une piste. C'est frais. C'est tout frais. Oh, encore une petite piste par là. Ça m'a l'air bien pistonné par ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pistes. Les ours! Nos ours, par ici! J'aurais jamais dû faire ça, les frères. Wesh, ça s'enfonce, c'est des sables mouvants. Oh là là, que foutrais-je ici? Qu'est-ce que je branle là, quand même? Je suis pas mangeable! Les gars, la vie de ma mère, on est dans la forêt au Canada, la vie de ma mère, les gars. Sur la tête à ma mère, on a vu un ours. J'ai pas pu filmer, gros. J'ai eu trop peur. Les gars, il y avait un ours noir, il était debout, à genre 50 mètres à droite. Nous, on est en vélo au milieu de la forêt. J'ai voulu filmer, mais les gars, je vous jure, au début, je me suis dit, ouais, je vais faire le mec à filmer un ours, IA et tout, même s'il est en face de moi. Et les gars, ça fait trop peur. Je vous jure, avoir un ours devant toi, frère, debout en plus, frérot, il fait deux fois ta taille. Ça fait trop bader. Là, regardez, on est où? On est en plein milieu de la forêt au Canada. Vous voyez la forêt que vous voyez à la télé, là? On y est. Il est là-bas. Où est-ce, la vie de ma mère? Où est-ce, Tom? Bon, faut qu'on y aille, je crois.